Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans un petit vlog, une petite journée ensemble. Alors, Steph part vers 6h30 du matin. Et moi, ce matin-là, je l'ai un petit peu suivi par derrière. J'ai été chercher des petits pains pour le petit-déj que de temps en temps je prends au travail. Et aujourd'hui c'est mercredi, et le mercredi c'est généralement le travail dans les écoles. Et là j'ai choisi de tondre, parce que bon, si je fais ça en semaine avec pendant l'école, forcément les gamins sont complètement déconcentrés. Ça me permet un peu d'avancer dans mon boulot. Donc là, comme il fait beau, je fais les tontes. Voilà, sachant que nous, au village, on a deux écoles. Après, aux alentours de 10h, évidemment, la petite pause café. Petite pause café. Oui, alors avec ma machine qui demande à avoir un petit nettoyage. Et puis après, j'ai été faire du marquage au sol. Bon, là, ça nécessite quand même quelques compétences particulières, comme savoir prendre un éclairage à partir de rien et connaître un peu toutes les possibilités et les produits et tout. Donc là, un petit peu mon chantier. Toujours bien se baliser, évidemment. Et puis il a fait beau, franchement j'étais content. J'ai pu faire mon deuxième marquage au sol de l'autre côté. Donc là c'était une création. Et il fallait aussi du coup enlever le marquage d'au-dessus. Enfin l'ancien marquage. Et au midi, kebab. Évidemment, kebab. Et en général, ouais, je fais soit le mercredi, soit le vendredi. Après avoir mangé, j'ai débarrassé un peu mon camion. J'ai refait le tour un peu là du coin. Et puis j'ai encore ramassé d'ailleurs un sapin de Noël. Ouais, mais on a, je crois qu'ils doivent le garder assez longtemps. Du coup, quand t'es tout seul comme ça, bah du coup, ça demande beaucoup de travail. Ça demande beaucoup de préparation. Et moi j'aime bien être organisé dans mon taf. Du coup, ben, rien prend énormément de temps. Pensez à boire aussi, qu'il fait super chaud. Et ça, c'est les entrailles de l'atelier. Là où j'ai dérangé toutes mes petites bricoles que je prends la semaine, que j'entasse. Et que je ne range pas. Que je ne range pas. Et il fait méga chaud ce jour-là. 16h30. Voilà. C'est la fin. Et je crois que j'ai dit une bêtise. J'ai tondu un vendredi des vacances. Oui. Et Steph avait reçu des affaires pour le mariage, mais on le renvoie parce que bah, c'est pas joli, elle aime pas. Et moi non plus. Des godasses blanches. Voilà. C'est fini les talons. Et au soir, on a été chercher fromage à la fromagerie. Bah oui, fromagerie, tu t'attendais à quoi? Pour le lendemain. Et au soir, on a picoré. Parce que souvent, le vendredi soir, je vais chercher, voilà, ça c'est des œufs en gelée. C'est trop bon, j'adore. Avec du jambon, un peu de pâté. Et quand t'as passé une grosse putain de journée comme ça, tu mets un petit replay. Et tu te fais un petit couteau du lion. C'est plutôt sympa à boire. Ouais. Franchement, c'est plutôt sympa. Et bah, c'est un petit peu sucré, c'est très bon. Et le samedi matin, bon là, en ce moment, on dort. Parce que à l'heure où je tourne, ça fait 2 semaines que la vidéo est faite. On a été chercher une table aussi. J'avais oublié. Parce que pour le mariage, tout le monde arrive la veille à la maison. Et on a acheté celle-ci. Alors j'en avais plus d'autres.
cliché, c'est pareil. Et la couleur de la tablette rappellera la couleur du meuble qu'on a ici. Malheureusement, ouais. Celle en bois au-dessus, elle est magnifique aussi, j'aime beaucoup. Et du coup, on a pris celle-ci parce que avec les rallonges, elle peut faire aller jusqu'à 2,35 m. Et après, j'ai voulu m'acheter une paire de chaussures, mais j'ai pas trouvé mon bonheur. Et j'ai trouvé que c'était excessivement cher pour ce que c'était. Voilà, j'avais vu des Lacoste. Mais après, bon, je me suis révisé, j'ai dit ouais, bouffe. Finalement, c'est pas la peine, quoi. J'avais envie de changer un petit peu de style de chaussure, mais en acheter des bonnes. Et je dis à Steph, si je trouve pas, je t'invite au BK. Du coup, direct au BK. Et puis on s'est tapé la deuxième série. On a mangé au BK et on a regardé Mercato. Alors je sais pas si vous avez vu, mais moi j'ai adoré cette série avec Manon Azem, Ducré, tout ça. Et le rappeur dedans, j'aime bien. Normalement, ils vont bientôt à la ASMR Frites S. Spécial, c'est pas.